Nous allons travailler sur une plateforme, et ça fait partie de la deuxième chose que je voudrais dire pour sortir. Nous allons travailler sur une plateforme qui est une plateforme qui aide le peuple camerounais à lutter contre cette endémie et plus d'au-delà à apporter un soutien à son système de santé. J'appelle ici de façon assez solennelle tous les médecins camerounais de la diaspora, tous les personnels des systèmes sanitaires de la diaspora, qu'il s'agisse des infirmières, des aides-soignants, des psychologues ou d'autres personnes qui sont également dans le système de santé, pharmaciens, etc., dentistes. J'appelle tous ces Camerounais de la diaspora qui travaillent dans le système de santé, dans son ensemble, à nous rejoindre dans cette plateforme qu'on va mettre sur pied. Et j'annonce cette plateforme ici et je voudrais que ce soit diffusé, partagé, parce que cette plateforme aura plusieurs missions. La mission éducative, la mission de réfléchir à comment on peut aider le Cameroun dans un système de suivi épidémiologique écologique pour toutes ces maladies. On parle beaucoup actuellement du coronavirus, mais on a le paludisme qui sévit et qui a du mal d'être enrayé, endigué. Cette plateforme servira aussi comme un vecteur de soutien dans cette crise, car l'anxiété et le stress générés par ce virus entraînent son lot de comorbidités et il est important que les populations puissent être accompagnées, soutenues. Cette plateforme, au final, permettra à toutes ces personnes intéressées, d'une certaine manière, d'apporter leur appui financier dans cette période difficile où le Cameroun aura besoin d'un énorme appui et nous sommes là pour dire oui, aidons le système de santé camerounais. Je fais cet appel solennel et je vais mettre le lien que vous pouvez consulter pour me contacter. Nous avons une volonté de construire et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc vous aurez le lien sur toutes les médias sociaux, Facebook, Twitter, où vous pouvez nous contacter pour ce projet. C'est un projet ambitieux, mais c'est un projet faisable parce que l'expertise que chacun de vous a dans le centre, dans la ville, dans le pays, le continent où il est, dans divers domaines de la santé, cette expertise n'a jamais été mise à profit pour notre pays. Et il s'agit ici d'une belle opportunité de pouvoir mettre tous ensemble pour construire un Cameroun nouveau, un Cameroun en santé.